Direction la Côte d'Ivoire. Présidence des UPDC-RDI, après le dépôt de sa candidature, Tidiane Thiam, c'est le jour de ma libération. Tidiane Thiam est officiellement candidat à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-RDI. L'ancien PDG du Crédit Suisse et figure respectée dans les milieux financiers internationaux a soumis son dossier de candidature ce vendredi 17 novembre 2023. Le secrétariat général du comité électoral du 8e congrès extraordinaire, basé à la maison du parti à Cocody, a reçu le dossier de candidature après une vérification minutieuse des documents requis. Une journée particulière? Parmi ces pièces figurait une lettre de candidature envoyée au président du parti, un certificat de nationalité, un extrait de l'acte de naissance, et un extrait du casier judiciaire du candidat datant de moins de 6 mois. Après cette étape administrative, Tidiane Thiam a rejoint la grande salle de réunion du PDC, où l'attendaient ses sympathisants et fans, où il a exprimé son sentiment après la soumission de son dossier. « Nous avons fait ce que nous avions à faire. C'est-à-dire déposer notre dossier de candidature », a déclaré le candidat à la succession du regretté président, Henri Conan Bédier. Pour lui, cette démarche symbolise une libération personnelle. « J'ai dit à certains sénateurs que c'était une journée particulière, parce que c'est la journée de ma libération. J'ai dit à certains sénateurs que c'était une journée particulière, parce que c'est la journée de ma libération. Jusqu'ici j'ai toujours su ce que je devais faire et quand je ne devais pas, maintenant que la question est posée, j'ai répondu oui », a déclaré Thiam. Qui dit être engagé pour la victoire au soir du prochain congrès électif. C'est le premier jour de la campagne, on va aller jusqu'au bout et on va gagner, a-t-il assuré. Je suis candidat au privilège de vous servir, a déclaré Tidiane Thiam, soulignant que le futur président du PDC-RDI doit être au service du parti. Avant M. Thiam, Noël Akosi Benjo et Jean-Marc Yassé, deux autres candidats engagés dans la course à la présidence du PDC-RDI ont déjà fait acte de candidature. Maurice Kakoubi Kahué, une autre figure du parti est attendue cet après-midi pour le dépôt de son dossier de candidature. Le prochain congrès électif du vieux parti est prévu pour le samedi 16 décembre 2023.